Bon, ben voilà, en route pour le dentiste. On enchaîne, c'est l'armée. Je me suis fait mal à la dent hier soir, oui, encore. Voilà la pile. Tu vas aller voir en avant-première, hein. Moi, je suis trop contente quand même, hein. Ils sont trop beaux. Et bonjour et bienvenue sur ce nouveau weekly vlog. On est lundi aujourd'hui. L'objectif de la semaine, ça va être d'enregistrer tous les tutos couture pour le patron Sunset pour qu'il aille le plus vite possible en test. J'ai déjà fait tout ce qui était pantalon, il me manque plus que les t-shirts, mais voilà. Il faut que j'enregistre toutes les vidéos et que je fasse le montage vidéo de tout ça cette semaine. Donc on va y avoir de la couture, on va y avoir du montage vidéo et puis on verra ce qu'il y a en plus. On verra bien. Donc ce matin j'ai préparé tout ça, j'ai planifié tous mes lives. Donc demain après-midi, il n'y aura pas de live parce que j'ai le dentiste. Voilà, on va peut-être avoir des nouvelles concernant ma dent. Et puis voilà, là ça va être parti, il est l'heure de... Bah, le live ça va être dans quelques minutes, donc je vais tout préparer. Et puis on est parti pour la couture du t-shirt. Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Du coup, aujourd'hui, on va passer à la couture. On continue, hein, on enregistre les tutos couture pour le patron Sunset. Là, j'ai vraiment envie d'avancer un maximum pour le mettre le plus rapidement possible en test, ce patron. Et donc aujourd'hui, on va coudre la version classique du t-shirt. Allez, on est parti! Et voilà le petit t-shirt auquel il manquera à faire les ourlets, donc ourlets des manches et ourlets du bas. Hello hello, on est mardi aujourd'hui et je suis désolée, le lundi c'est vraiment 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 la course. Dès que j'arrête le live, il faut que j'aille chercher les filles à l'école et ensuite il faut qu'on se prépare pour aller à la danse. J'ai la danse, dès que ma fille est à la danse, je prépare le repas parce qu'après c'est moi qui vais à la danse et le soir, bon, on enchaîne, c'est l'armée. Aujourd'hui, on va faire une journée beaucoup plus calme parce que j'ai pas de live, j'ai dentiste pour voir un petit peu si ma dent, on va pouvoir en faire quelque chose. J'aimerais bien parce que ça me gêne pour manger. Ça me gêne pour sourire parce que j'ai un trou, quoi. Mais bon, c'est pour ça que là, je me montre un petit peu de l'autre côté pour changer. Histoire qu'on arrête de voir mon trou. Donc aujourd'hui, bah, ça va être montage vidéo. Je vais faire les montages de tout ce qui a été enregistré pour les tutos couture de Crocus, là, depuis la semaine dernière. Je vais avancer là-dessus un maximum. Je veux vraiment terminer rapidement ce patron. Comme ça, il passera vite en test. Donc c'est parti, montage vidéo bah, sur toute la journée, je pense. Je pense que je vais faire que ça. Ben voilà, en route pour le dentiste. Bon, ben voilà, résultat, ben rien fait. J'ai attendu 3 quarts d'heure. Mais bon, j'ai l'habitude chez cette dentiste. Elle a toujours beaucoup de retard. Donc, ben elle a rien fait, elle a juste regardé et bon... Eh ben, il faut que je prenne un rendez-vous pour voir, pour me faire mettre un implant. Donc il y aura plein de rendez-vous. Ça va un peu perturber, je pense,
les lives. J'essaierai un maximum de prendre les rendez-vous plutôt le matin si c'est possible. Mais il y a des chances pour que, même si j'ai été triturée le matin dans la bouche, il y ait des chances quand même que l'après-midi je sois pas d'attaque pour faire des lives. Donc toute cette histoire, ça va quand même pas mal impacter les lives. On verra. Donc j'appellerai demain le chirurgien pour qu'il voit tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il peut faire si c'est possible. De me faire mettre un implant ou pas, parce que c'est possible aussi que ça ne soit pas possible. Bon allez, je vais retourner à mes vidéos et puis voilà, on va continuer la journée. On est à mercredi aujourd'hui et je ne vais pas aller au marché. Je me suis fait mal à la danse hier soir, oui, encore, j'ai encore quelque chose qui va pas. Je crois que mon corps essaye de me dire quelque chose, j'ai pas envie de l'écouter. Bref, je pense que c'est une petite déchirure, hein, comme ça m'était arrivé déjà il y a 2 ans. Mais ce qui est cool, cette fois-ci, c'est que c'est la jambe gauche, c'est pas le pied de la pédale de la machine à coudre, donc je pourrais continuer à coudre. La dernière fois, c'était compliqué. J'avais testé donc de coudre avec le pied gauche et c'était très 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 dur. Du coup, pour le moment, je mets de la glace, on verra cet après-midi, on avait rendez-vous pour Nolwenn, mais je pense que peut-être que je lui demanderai quelques petits trucs pour moi, mais j'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine, puisque de toute façon, là, je vais mettre la glace un petit peu, puis je retournerai travailler après, mais là, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui on va continuer d'enregistrer, alors pas forcément enregistrer, mais je vais continuer mes modèles de présentation là. Donc pour rappel, on était sur ce t-shirt là, une version sans passepoil ici, on avait cousu donc le col, on avait cousu les côtés et il nous fallait faire l'ourlet. Ah, j'ai Nolwenn qui me disait la dernière fois quand je lui ai fait essayer son pyjama et qu'elle voulait pas le quitter, elle était là, ah non c'est dommage parce que ils ont le carnaval le 2 mars au collège, ils doivent se déguiser. Et il y a une classe qui a choisi de venir en pyjama et elle s'est dit, bah, c'est trop dommage parce que c'est pas notre classe qui a choisi d'être en pyjama parce que sinon j'aurais mis celui-là. Et elle voulait plus le quitter, hein. J'ai dû lui arracher. Donc ça c'est... Le plus long à faire dans ce pyjama-là, c'est ça. Ah, je sais pas comment le prendre, celui-là. Il y a trop d'épingles. Repasser les vêtements du commerce, l'horreur absolue. Il ne coupe pas d'endroit fil. Exactement, c'est affreux. Tu te retrouves avec les côtés qui sont à moitié sur le devant ou à moitié sur le dos. T'as déjà vu des vidéos de comment c'est découpé, Steph? Ça peut pas être sur le droit fil. Ils ont des blocs de tissu comme ça, là. Des gros blocs. Et ils ont une... genre comme une scie qui est plantée, là, comme pour faire du bois, là, pour tailler les planches. Et puis, ils font pouf, comme ça, là, avec leur bloc de tissu. Mais donc, vu que c'est un bloc, c'est dans n'importe quel sens, quoi. Tout ça pour gagner du tissu. C'est pas pour gagner du tissu, c'est pour être plus rapide, parce qu'ils te coupent, je pense qu'ils coupent 200 pièces en une seule fois, quoi, en un seul passage. Les t-shirts qui tournent, l'horreur, mais c'est clair. Toutes les versions sont top, les tissus sont magnifiques. Oui, j'adore, je suis trop contente. Et on a tellement de possibilités de faire avec ce patron. Voilà, le petit short avec sa jolie étiquette. Bon, voilà, ça y est, tous les pyjamas sont cousus, sont assemblés. Il ne me reste plus que les ourlets à faire à la recouvreuse. Donc demain après-midi, ça va être après-midi ourlet. On va changer les fils de la surjeteuse vers la recouvreuse et je vais enchaîner. Donc il faut que je filme surtout le bas
du t-shirt classique, l'ourlet des manches et l'ourlet du pantalon. Donc il y a ces trois là qu'il faut que je filme absolument, après tout le reste je vais enchaîner, voilà, comme ça ce sera fait. Et puis il faut que je termine aussi, que j'avance sur les tutos couture, parce que là c'est long, c'est très très long. Mais bon, j'ai eu plein d'autres choses à faire aussi, ça m'a perturbée entre les rendez-vous médecins et compagnie, forcément ça aide pas à avancer. Mais je suis trop contente. Est-ce que je te montre les combinaisons? Oui, je vais te montrer ça. On va aller dans le salon parce qu'il y a plus de place. Comme ça, je vais m'étaler sur le canapé. Et je vais te montrer déjà les premiers modèles. Voilà la pile. Alors, on a une version du pyjama avec le short. Ensuite, une autre version, cette fois-ci avec la version t-shirt avec les fentes ici sur les côtés. Et le pantalon. J'aurais pu faire des manches longues, mais finalement, j'ai fait des manches courtes ici. Ensuite, on a la version en 14 ans, donc t-shirt classique, manches courtes et le short. Et le dernier, un pyjama avec les fentes sur le côté. On a le petit col arrondi ici, les manches longues et le pantalon. Donc ça, c'est un vrai pyjama d'hiver, parce qu'en plus, le tissu rose ici, ce tissu, il est beaucoup plus épais que les autres. Donc je pense qu'elle aura bien chaud avec ce pyjama-là. Voilà, et donc demain, on va faire tous les ourlets. Vendredi, et si on est vendredi, c'est le jour du petit pouce en l'air, merci beaucoup. Bon, alors en ce moment, les vlogs, c'est pas hyper varié, on va dire. Entre les lives et le montage vidéo, il se passe pas grand chose de nouveau. C'est un petit peu tout le temps la même chose, donc je suis désolée, les vlogs sont un petit peu plus calmes en ce moment, parce que bah, je suis concentrée sur la finalisation du patron Sunset. J'ai vraiment envie que ça sorte le plus vite possible. Donc voilà, là, aujourd'hui, on va finir toutes les coutures, donc les 4 pyjamas complets que j'avais prévu de coudre pour les tutos couture. Donc ça va être terminé aujourd'hui. On va faire tous les ourlets à la recouvreuse cet après-midi et après ce sera terminé et je pourrai vraiment finaliser toutes mes vidéos là, parce que y a pas mal de choses à faire. Bon allez, je vais chercher mon petit thé et c'est parti pour le live. Ça y est, on arrive au bout de la couture de ce pyjama, enfin. Donc dernière fois qu'on va coudre le patron avant qu'il passe en test. 4 t-shirts et 4 bas. Et donc on va faire tous les ourlets. Je repasse tout pour mes filles après, nous, quand il me reste du temps. Ok, même les jogs, à minima, un petit coup. Mais ma mère, elle repassait tout aussi. Hein. Elle comprenait pas que je ne repasse pas, moi. Une fois devenue maman, une fois, elle comprenait pas. Et en fait, mon père, c'est un militaire, donc il fallait qu'il ait tout son linge de nickel, de tout repasser et tout. Donc du coup, elle faisait le linge de toute la famille, tant qu'à faire, que le fer était sorti. Et là, maintenant qu'il est à la retraite, elle ne replace plus tout le temps. Et elle trouve que ça, c'est un gain de temps. Je repasse rien, sauf si j'ai pas le choix, parce que voilà, c'est une robe de soirée, on a un événement, tout ça, voilà. Et là, je repasserai les pyjamas, parce que je vais faire les photos de présentation du patron, parce que sinon, je m'embêterai pas, hein. J'ai DS qui me rappelle mon panier. Bien sûr qu'il te rappelle ton panier. Bon, vous attendez quoi, là? Vous voulez ou vous voulez pas? Hein, que vous voulez? Allez, ne laissez pas votre panier tout seul, le pauvre. Vous lui manquez, revenez. Et il est 4 heures. Bon, ben voilà, on a fait tous les ourlets en 2 heures. Voilà, avec le pantalon et les feuilles. J'aime l'ouverture, les fentes, ça permet d'accéder aux poches. C'est trop pratique.
Voilà, donc version numéro 1. J'ai pas fait les manches longues et j'ai froid là. C'est ma version hiver mais avec des manches courtes. J'adore les fentes sur le côté. Moi aussi j'adore. C'est long à coudre, c'est un petit peu plus minutieux, mais c'est trop bien. Le pantalon, il est trop génial pour dormir, c'est... Allez, on passe au suivant, je vous montre l'autre. Et la version t-shirt normal sans les fentes. Mais on a toujours les poches, mais pour la peine, il faut soulever le t-shirt. La couleur aussi, elle est jolie. J'aime les deux, moi, j'aime les deux. Et j'ai pris les deux parce que j'arrivais pas à me décider entre les deux. Je crois que je vais craquer chez DS. S'ils te harcèlent, c'est pas pour rien, c'est que ça marche. C'est qu'ils savent que ça marche. Donc merci beaucoup d'avoir été là cet après-midi pour faire que des ourlets. Mais bon, il y avait la récompense de l'essayage. Hein. Vous avez vu l'essayage des pyjamas. Bon voilà, ça y est, tous les pyjamas sont terminés. Je suis trop contente, les 4 pyjamas sont terminés complètement. Donc toutes les vidéos pour les tutos couture sont enregistrées, quasiment. J'en ai encore quelques-unes pour tout ce qui est technique de couture et tout ça. Il faut que j'enregistre certaines choses, la prise des mesures aussi. Donc il faudra que j'enregistre ça la semaine prochaine. Tout est enregistré, tout ça c'est fait. Il ne me reste plus qu'à faire tous les tutos couture, donc ça, j'ai vraiment envie de tout faire la semaine prochaine pour pouvoir le lancer en test dès le week-end prochain. Je vais bosser à fond et je croise les doigts pour réussir à maintenir le rythme, sachant que là on a un week-end de 3 jours, c'est le week-end de Pâques, donc je sais pas trop si je pourrais avancer sur les vidéos, on va essayer. Voilà, voilà. Moi je suis trop contente quand même, hein. Ils sont trop beaux. Et j'ai trop hâte qu'ils sortent pour que tout le monde puisse en profiter.